Abassi Mustapha, j'ai 32 ans. Je suis conducteur de tram à la STIB à temps partiel. J'essaie de combiner un petit peu mon activité professionnelle avec une activité sportive qui me tient plus qu'à cœur. Je joue à un niveau assez important football en salle. J'ai joué en équipe nationale pendant 10 ans, un peu plus. Si c'était à refaire et que j'avais le choix, je crois que j'aurais choisi l'équipe nationale du Maroc. Mais bon, voilà, à l'époque, les choses étaient ce qu'elles sont. Et donc voilà. C'est relativement tard pour un joueur de football en salle. J'ai commencé aux alentours de mes 16 ans. C'est un ami qui m'a proposé de jouer dans une équipe de grand foot, à savoir l'Étoile Marocaine. J'ai commencé là, en junior, et ça a été très très vite. J'ai vite été repris en équipe réserve, puis en équipe première. Puis j'ai découvert le football en salle aux alentours de mes 17 ans. Et je combinais les deux dans un premier temps, à savoir le grand foot et le mini-foot. J'ai commencé en deuxième nationale avec Affligem. J'ai joué là-bas pendant 2 ans ou 3 ans. On a terminé champion, on a gagné la coupe. Puis j'ai été repris dans une équipe de première nationale du côté de Charleroi, les Kickers de Charleroi. Puis tout s'est enchaîné très très vite. J'ai été repris en équipe nationale depuis novembre 99. J'ai évolué pendant 10 ans en première nationale à l'Union Belge. Et maintenant s'ouvre à moi un nouveau challenge, à savoir la Ligue première nationale et avec pas mal d'ambition. Je voulais rajouter une petite chose par rapport à mon parcours, qui n'a pas toujours été évident, mais je crois qu'avec la persévérance, je crois qu'on peut arriver à pas mal de choses. Maintenant, un petit message personnel que je voudrais envoyer un petit peu à tous les jeunes qui verront ce reportage. Ne jamais baisser les bras, c'est jamais facile. Il faut beaucoup de persévérance et ne pas toujours choisir la solution la plus facile, à savoir baisser les bras et rester chez soi à la maison. Donc continuez si vous aimez quelque chose, faire quelque chose. Si vous aimez le sport en particulier, continuez pour qu'il n'y ait pas de regrets à la fin. Et l'aïaounkoum et bonne chance à tout le monde. Voilà, juste une petite précision par rapport à l'entraînement d'aujourd'hui. Ça ne s'est pas passé comme d'habitude. C'est-à-dire sur les 2 heures d'entraînement, normalement, il y a la première partie qui est réservée à tout ce qui est physique, donc vélocité, vivacité, beaucoup d'exercices avec ballon et avec des cônes. Là, le préparateur physique n'est pas venu, ainsi que 3 autres joueurs et un gardien. Donc ça fait quand même pas mal d'absence et on a fait... Contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit. Et voilà, on a fait un petit entraînement quand on pouvait, on a répété un petit peu les phases. Et voilà. Donc ça ne reflète pas complètement les entraînements qu'on a normalement. Donc voilà. J'aimerais saluer tous les Marocains, d'où qu'ils soient, aussi bien d'Europe, du Maroc, d'Amérique, de partout. Ma famille, principalement du nord du Maroc, à savoir, enfin, aussi bien celle du côté de mon père que celle du côté de ma mère. Et alors, un grand salam à tous les Marocains. J'espère franchement que vous seriez, enfin, vous saurez nous accueillir lorsqu'on vient chez vous au Maroc, parce que franchement. C'est toujours un plaisir que de venir chez vous, enfin de retourner sur nos terres.